Salut à tous, c'est Remfool et je suis en compagnie de Lexa2 et Freddy. Salut! Salut! Et donc, comme vous avez pu le remarquer, on n'est pas sur la même map que le premier épisode pour la simple et bonne raison que j'ai fail comme je sais pas quoi entre l'épisode 1 et l'épisode 2. En fait, pour vous expliquer, j'ai réinstallé mon PC suite à la réception d'un disque dur SSD. Et à cause de cette réinstallation, en fait, j'ai pensé à tout sauvegarder, c'est-à-dire les maps Minecraft, toutes mes sauvegardes et tout. Mais j'ai pas sauvegardé tout ce qui concernait Terraria. Donc notamment les maps, les persos, dont la map des saisons 1 et 2 d'ailleurs, qu'on a perdu du coup. Parce que je les ai jamais mis en téléchargement malheureusement, même si on vous avait dit qu'on le ferait. Et donc maintenant tout ça est perdu dans les ténèbres. Et ça me fait bien chier. Mais voilà. Remfail a encore frappé. Ah oui, là on peut le dire. Hein, donc là on recommence. Heureusement qu'on avait tourné qu'un épisode avec Freddy. Parce qu'on n'avait pas fait grand chose du coup. Et là on est 3. Du coup on a commencé à 3. On s'est dit tiens. Ouais voilà, on a invité Lexa. On pensait faire une grande sphère. Non. Comme on l'a dit dans l'épisode 1, il n'était pas encore au courant Lexa. Mais notre premier projet c'est de faire une énorme sphère. Non. Oh non, pas encore. Et encore la sphère on l'a utilisé la dynamite. Hein. Ouais. Oui, pour vous dire, hein, ouais, bah, maintenant qu'il y a Alexa, on peut expliquer un peu comment la sphère s'est construite. Hein. C'est un grand renfort de dynamite, de pioche et tout ça. D'ailleurs, heureusement que c'est pas comme dans Minecraft où. Fallait crafter ses outils parce que sinon, on en aurait perdu des outils. Hein. Ouais. Et donc, du coup, on recommence. On s'est chacun refait un perso parce que, oui, évidemment, moi j'ai perdu mon perso. J'ai tout perdu en fait, toute la et saison. Moi, hein. pour éviter de conserver les avancements qu'on a eu depuis le premier épisode, bah j'ai refait mon truc quoi. Ah, à la limite, ça aurait pas été trop gênant. Je pense que t'avais pas beaucoup d'équipement. Bon, ouais. Ouais, mais bon, c'est à peu près le même perso, c'est toujours un roux aux yeux verts, un peu pâle. Et bon, là donc du coup, pendant qu'on vous parle, qu'on fait l'explication de mon énorme fail, on est en train de couper du bois, tout ça quoi. Donc on va faire comme la dernière fois je pense, hein. On coupe du bois, dommage, on se fait une petite maison et après on part en exploration. Ouais, mais c'est dommage parce que, l'épisode 1 il commençait par un truc super bon, on avait quand même eu un slim avec pièces d'or et compagnie quoi. Ouais bah c'est pas grave, l'épisode 1 il existe toujours, c'est juste que la map n'existe plus. Et c'est dommage parce qu'on avait une map aussi avec pas mal de... Tiens il y a déjà du fer là. Avec pas mal de galeries souterraines et on voulait se faire une ville souterraine. Je pense qu'on va continuer quand même sur cette idée là, je sais pas ce que t'en penses Freddy. Mais... Ouais on va voir. Ou sinon, en mémoire de la saison 1 disparue, on peut refaire une ville à la saison 1. Bah en fait, ouais. Ça me dérangerait pas, mais le truc c'est qu'il faudrait peut-être varier un peu le... Ouais voilà, bah, c'est pour ça, mais bon après à la limite on peut toujours demander l'avis des viewers, hein, c'est... Bah moi je te propose qu'on fasse une ville à type saison 1, mais en souterrain. Comme ça, on combine les deux idées. Ah oui, on se creuse une grande galerie un peu à la... Bah on se creuse des galeries et à l'intérieur on fait des villes type saison 1. Enfin des espèces de zones type saison 1. Il y a déjà un truc qui est bien, c'est qu'on va pas avoir besoin de couper des montagnes. Non mais on risque d'avoir besoin de creuser à mort. Ouais. Et de creuser au marteau aussi. Et pas de sphère hein, au-dessous. Non, j'sais ça... Pas, je pensais faire une grande sphère. Non, ça vous donne pas plus que ça, vous, une sphère. J'ai plus de bois par contre. Je vous ai construit une maison, mais j'ai plus de bois. Moi j'ai pas mal de bois là. Moi j'ai du bois. Alors, première chose à faire. Est-ce qu'il y a des slims dans le coin? Oui. Est-ce que quelqu'un porte un jean slim? Oui! Un jean slim. Non. Oui! Eh, non, ça pas, me compresse les testicules! Tu sais quoi, il y a pas longtemps j'ai entendu aux infos que ces jeans slim étaient remis en question par la communauté scientifique. Pourquoi? Parce que justement ils pourraient engendrer des problèmes de stérilité. Bah ça m'étonne. Hop, une wooden sword. Et le pire c'est que j'ai entendu ça aux infos peu après l'épisode où... Et un wooden marteau. Où tu as parlé de ça. C'était l'épisode d'Akari, je crois que tu parlais des jeans slim. Je sais en Minecraft. Ouais, je m'en rappelle plus. Attends, ce petit truc me stresse. Hop.
Alors du coup, vous on êtes vide pas l'eau là-haut parce qu'elle est bien. Non, mais par contre, il me faudrait un peu de bois pour me refaire une épée parce que. Mais attends, je vais t'enfiler. Ouais, tant plus simple que je vais en couper. Du bois, j'en ai 200 moi. Est-ce que tu as noté l'heure à laquelle on a commencé au fait, Ren? Oui. Enfin, je l'ai pas noté, mais je sais exactement à quelle heure on a commencé. Parce que, en fait, si tu veux, quand je tourne, j'ai une super astuce de la mort qui tue. Comme je tourne en double écran, j'ai le répertoire dans lequel enregistre Fraps. Deuxième écran. Et comme ça, en fait, la vidéo, je vois l'heure à laquelle elle a commencé. Ouh, il y a l'air d'avoir une grotte pas mal là. Enfin, un trou en tout cas, je sais pas si c'est une grotte, mais. On peut aller voir. Alors, allons voir. Ah ouais, ça commence. Mais j'ai toujours pas assez de bois pour me faire une épée. Ligne de snow. Il y a du bois sur la gauche de la ville. De la ville. Mince, les torches, si on peut appeler ça une ville. Bah si t'as du bois et du slime. Ouais, comme ça je vais replanter des glands et. Attendra que ça pousse. Exactement. Oh, ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué à Terraria. Et ouais, ça fait un peu bizarre. Moi, c'est comme Minecraft, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft donc. Ouais, mais c'est ça qui est fun, c'est à chaque fois on laisse du temps entre chaque fois où on joue. Du coup, on sait pas jouer et du coup, on fait des fails. Voilà, enfin là, c'était pas un fail de tu sais pas jouer là par contre, c'était un fail de. Non, mais c'est dommage, elle partait bien là, cette saison. Mais bon. On va dire qu'elle va bien partir. Bah, elle part encore mieux là parce que tu promets des fails à longueur de la saison. D'ailleurs, Lexa il est parti, Freddy il est encore là-bas, faudrait qu'on se regroupe un peu par contre. Après, ouais, je vais aller me faire une épée et je reviens. Et alors, va falloir que je torche un max parce que c'est vrai que maintenant on filme. Ah oui, c'est vrai. Eh là, c'est un type désert là où je suis. Ouais, j'ai tout ça, il y a un type désert dans le. Type désert, on parle chinois. Ouais, le fond désert là, c'est que t'es sur un biome désert quoi en gros. Ouais, un biome désert, voilà. Ah, sûrement. Par contre, il y a de l'eau. Par contre, un truc que je comprends pas dans Terraria, c'est qu'on peut planter que là où il y a des. Là où il y a de l'herbe. Je sais pas. Pas faux. vous pouvez m'expliquer la raison scientifique à cela? Absolument bah, pas. Bah, l'herbe. L'herbe fait tenir la plante debout. Ouais, c'est ces brins d'herbe qui permettent à la plante de tenir debout, c'est ça? C'est ça, ouais. Là, j'ai pas remplacé le sol de la maison, vous pensez qu'il faut le remplacer ou pas? Je crois qu'il faut le remplacer pour que ce soit une vraie maison. Ah oui, c'est vrai qu'on a pas mis de meubles et tout. J'ai mis des meubles. Comme ça, à l'arrache. J'ai mis des meubles et tout ça, mais j'ai pas remplacé le sol. Non, ça c'est pas grave, ça, pas besoin. Alors. Trop tard parce que j'ai commencé en fait. Bon, cette grotte est pas géniale. Hein. Si, j'ai trouvé du copper. Bon, je te propose un truc aussi, Ren. On s'interdit de faire d'autres maisons sur cette surface tant qu'on n'aura pas commencé à faire la ville souterraine. Ouais, c'est un bon plan. J'aime beaucoup. Comme ça, ça évitera qu'on se dise ah bon, on va faire une ville souterraine et au final on la fait jamais. Ouais, c'est vrai. Bon, ça vous est déjà arrivé? De se dire qu'on fait un truc et qu'on le fait jamais? Oui. Ouais. Désolé, j'étais coincé entre un viewer. j'étais coincé entre un slime et une porte. Entre Harry et une porte. Je signale que t'es Harry et que le slime est Harry aussi. Oui, je suis roux, mais je suis pas forcément Harry. T'es ton cousin. Bon, y'a rien dans cette espèce de mini grotte au fait. Hein. Bah, si, y'a un petit octopère, ah, moi, si tu regardes bien. C'est pas du. Du silver là? Je sais pas, j'ai du mal, ouais, enfin je confonds souvent le silver et la pierre. Moi aussi, mais la pierre est un peu plus grise. Mais brille moins. C'est du copper par contre là ce que tu mines. Oh, de la clé! Je n'ai pas ramassé beaucoup ça. Bah bon, moi j'ai essayé en solo de faire une ville comme toi. Et oui, ça demande énormément de clé. Hein. n'empêche hein. Je suis le keygard de Terraria, moi, tu vois. Je t'invente des concepts qui sont super chauds à mettre en place dans une partie solo où t'as pas 15 000 personnes pour creuser derrière toi.
Bon, par contre, je vous propose qu'on aille un peu plus loin. Parce que. Enfin, sauf si vous avez des trucs à faire ici. Mais parce que la grotte là, elle est un peu trollesque. Moi, j'y vais encore du copper. Bah, j'ai pas grand chose à faire ici, moi, c'est. Bah, alors allons-y. Allons-y. Ah, mais attends, là, il y a une suite de grottes là. Ah bon? Ouais, attends, on te rejoint avec Texa. C'est moi qui vous rejoins. Hop. Ah là-bas, il y a du démon altar là à droite. Enfin, tu le verras pas toi parce que t'as un écran pourri, mais. J'ai pas un écran pourri. Non, oui, tu peux je pas filmer dans 720p. Je tourne en 720p. Mais en fait, j'ai pas expliqué pourquoi je tournais pas en 1080. Enfin, si, j'ai expliqué que ça donnait rien en 1080, mais j'ai pas expliqué pourquoi. C'est parce qu'en fait, Terraria a une particularité, c'est que quand t'augmentes la résolution, ça augmente pas les proportions du jeu. Le jeu garde exactement la même taille en fait. C'est-à-dire, les persos gardent la même taille, les carrés gardent exactement la même proportion. Par contre, le champ de vision est augmenté. Et en fait, si on tourne en 1080, si le champ de vision est augmenté, ça veut dire que sur YouTube, c'est plus petit. Et du coup, on voit que dalle. J'avais fait un test, j'avais fait un 2 minutes de vidéo encodée enfin, tournée et encodée en 1080. Je l'avais mis sur YouTube et quand vous le regardez en dessous du 1080p, c'est-à-dire à peu près personne peut le faire, sauf ceux qui ont la connexion de ouf, vous voyez rien. Donc, du coup, moi, je préfère la solution de tourner en 720p, qui est un bon compromis, parce que ça permet à plus de gens de pouvoir regarder les vidéos correctement. Donc, maintenant, vous avez une explication. Parce qu'il y a des jeux où vous tournez en 1080 et après vous rendez en 720, ça donne bien quand même, parce que le jeu conserve les proportions. Je sais pas si t'as vu, il y a un Steam qui a activé un ne piège. Ne conserve pas plutôt les proportions. Il est mort. Non. Silver. Ils en ont rien à foutre de ce que je raconte. Si, si. Mais si, on t'écoute. En gros, 1080p c'est nul et 720p c'est bien. Bah pour Terraria, surtout. Oui, oui, oui. Parce qu'après, tourner du Minecraft en 1080p par exemple, ça passe. Ouais, voilà. De toute façon, le 1080p, avant de pouvoir le charger, bonne chance. Hein. Bah c'est ça, ouais. Et puis avant de pouvoir le regarder aussi. On n'est pas tous avec de la fibre ou des trucs, une connexion de ouf. S'il y a 3 personnes qui peuvent regarder en 1080p, ça vaut pas le coup. C'est pour ça que moi je filme tous les jeux en 720p. Parce que. Surtout que ça prend encore plus de temps lorsqu'on fait le rendu. Bah, ça prend plus de temps au rendu, ça prend plus de temps enfin à l'upload, ça prend plus d'espace disque au tournage. Donc, ah, un quart de cœur! Ah bah très bien, c'est pour toi alors. Ouais. Je suis en train de penser, mais est-ce que j'ai le bon marteau? Oui, c'est bon. Attendez les gars, parce qu'on est encore parti dans une direction. Voilà, j'ai pris 20 points de vie. Bah nous on a continué de descendre en fait. Bah, d'ailleurs on va faire ou pas l'agriculture sur cette partie. Sinon il va peut-être prendre. Ah oui, pas l'agriculture. Ouais, on va réinventer Serge l'agriculteur. Allez. Sauf qu'on va faire Roger l'agriculteur maintenant. Non mais ouais, faudrait qu'on fasse. Faudrait qu'on s'intéresse un peu plus à l'alchimie, ce qu'on n'a pas fait dans la première saison. Bah. Dans l'alchimie, il y a l'échange équivalent déjà. J'ai déjà essayé l'alchimie et tout ça, et franchement, c'est pratique pour les potions de gravité. Exactement. Bah nous, on avait fait un peu, hein, mais. On faisait surtout toutes les potions qui nous intéressaient, notamment pour aller miner de l'obsidienne et tout ça. Enfin, pas de l'obsidienne, mais de la Hellforge, de la Hellstone. Il y a des gens qui m'ont dit dans les commentaires du premier épisode que fallait utiliser Shift. C'est Shift que j'utilise moi. Je pense jamais à l'utiliser. Là, si je l'utilise, ça me sort un stick vert parce que j'ai plus de torches, j'imagine. Exactement. Attends, j'ai pas compris, la Shift en fait ça fait quoi? Shift, ça choisit automatiquement l'outil que t'as besoin. Ouais. Ça choisit automatiquement l'outil que t'as besoin en fonction du bloc que tu pointes. Donc c'est pratique parce que par exemple, si je maintiens Shift alors que j'ai mon épée en main, je passe à la torche. Il est un peu chiant lui. Ouais, il m'énerve, j'arrive pas à l'avoir depuis tout à l'heure. Ah! Je l'ai eu! Il faudrait un peu. Donc de là, je frappe le Steam et en fait, si je maintiens Shift, j'ai la lumière. Bon, je vais me faire des chiottes hein. Ah oui! Spécial dédicace Natu. Ouais, on commence direct, hein. Petite dédicace à Natu. Attends, je te mets un bâton vert.
Fais gaffe hein, quand même. Il y a son fric arrivé en fait là. Hop. Alors, combien de temps l'épisode? Ça fait 14 minutes. On est encore dans les temps. On va essayer de vous faire des épisodes assez uniformes dans leur temps. C'est-à-dire on s'est dit qu'on n'allait pas dépasser 20-25 minutes. On n'avait pas dit ça aussi dans la première saison? Si, et au final on l'a jamais fait. On a toujours fait des épisodes de 40 minutes, choses comme ça. Enfin bon, les épisodes de Terraria, c'est pas les épisodes... Enfin, c'est les épisodes qui plaisent le plus, j'ai remarqué. Et alors oui, un autre truc qu'on a beaucoup eu dans les commentaires, dans les messages privés, tout ça. Arrêtez de nous demander de faire des épisodes avec vous. On fera des épisodes qu'avec des gens qu'on connaît, enfin qu'on connaît vraiment, qui sont des, potes, tout ça quoi. C'est pas qu'on vous aime pas, hein, c'est pas qu'on veut pas en fait, c'est juste que si on le fait pour un, il va falloir le faire pour tous, et sans déconner, après le poste. Vous êtes nombreux. Ouais, après le poste de l'épisode 1, le nombre de messages qu'on a eu là-dessus. Donc si on fait des épisodes avec un de vous, ça sera parce qu'il aura été sélectionné pour une raison. Pour une raison que je ne connais pas encore, parce que j'en sais rien. Si on fait un concours, un truc, j'en sais rien. Il n'y a rien de prévu, hein. C'est pas une annonce, c'est pas... Là, c'est parti pour te harceler. Hein. Là, ils vont te demander un concours, là, c'est bon. Hein. Non. Moi, c'est simple, je reçois un message privé pour me dire « Tu nous fais un concours ?» Je dirais non. Moi, je dirais aller voir Remfool. Mais non, enfin voilà, nous Lexa on l'invite parce que c'est un pote à nous, on le connaît, tout ça. Et puis voilà, on invite Natu, machin, dans les saisons précédentes parce que c'est nos potes, voilà. Mais on peut pas inviter tous les abonnés. Donc arrêtez de nous dire, je peux faire un épisode avec vous ou pas, parce que non. Épisode spécial abonné, tous les abonnés viennent. Je crois qu'il y a une grotte en dessous de nous. On peut jouer qu'à 8 en plus, maximum. Ah bon? Ouais, je crois. Ouais, j'étais sur des serveurs où il y avait beaucoup plus. Hein. Ah non, bah d'accord, l'espace vide que je voyais, c'était ça. D'accord. D'accord, donc ça vaut le coup que je te suive ou pas? Je sais pas, mais il y a de la clé, donc je vais la ramasser. Okay. Et après, ça... Mais là, si, en dessous, là, je vois une grotte, là, bien en dessous, un peu à gauche. Je t'aide à... Attends, prends à gauche, prends à droite. Ouais, mais attends, j'enlève la clé. Je t'aide à prendre la clé aussi. Va un peu plus à gauche. À gauche ou à droite? À gauche. Là, tu es à peu près à une dizaine de blocs au-dessus du trou que je vois et c'est à gauche. Ah, sinon là, il y a un léger trou à droite aussi. Ah oui, là, il a pas l'air grand, je sais pas. Vous avez pas les trous? Ouais, désolé. Il faut y avoir des allusions. Pour une fois qu'on pensait même pas à mal en plus. Quand on tombe pas sur le grand au vert, ça va. Alors oui, j'essaye d'utiliser Shift. Hein. Arrêtez de me harceler, j'y arrive pas encore, mais... Ça s'apprend. Là-bas, il y a de la démonite. Ah bah tiens, là, il y a du fer. Ou du silver. Je sais même pas où je suis, moi. Je me suis encore barré. J'essaye de te défendre pendant que... Ouh, j'ai pris très cher. Je suis perdu. C'est bon, il est mort. On est juste en dessous de toi. Va un peu à ta gauche. T'es tombé sur un gros filon de... silver. Ouais, tiens toi, gratte... va tout droit à gauche. Bon, que je gratte le silver. Tout droit à l'horizontale. Ouais. Bah, si je te dis d'aller à gauche, et tout droit... c'est pas d'aller tout droit en bas. Bah, je sais pas, peut-être en diagonale. Mais j'ai dit tout droit, j'ai pas dit en diagonale. En diagonale, c'est pas bête ça par contre. Bah on peut aller tout droit en diagonale. Lexa, si tu veux nous rejoindre, le plus simple je crois c'est que tu remontes un peu, tu vas légèrement vers la gauche et tu suis les torches en descendant. Ouais, en fait je me suis un peu trop écarté je crois. Mais c'est bon là on doit, ouais. Et vous êtes pas facile à suivre. Ah mais, ah attends là y'a du copper et de la clé. Continue à gauche. Hein. Y'a un slim et deux pots. Ah je vois un truc qui clignote. Ouais c'est un buisson ardent. Nous on mine de la clé de l'iron, hein, c'est...
On est des barges, on est des fous. J'ai l'impression qu'on commence par trouver plus de minerais que dans le premier épisode. Ouais, mais attends, parce qu'on est 3 maintenant, donc Non, mais même, je pense qu'on en a vu plus que dans le premier épisode. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le premier épisode, on n'avait pas encore les yeux entraînés et tout ça. Je suis sûr que dans le premier épisode, bon, j'ai pas eu le temps de lire les commentaires du côté de la chaîne de Renfou, hein, mais je suis sûr que dans le premier épisode, il y en a plein qui ont dit « T'as oublié du fer, à tant de minutes !» Ah non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Bonne chance, Renfou. T'inquiète. Elle me les envoie pas. Ça continue à gauche aussi, hein, si tu veux savoir. C'est pas moi qui te les envoie. Je verrai si dans cet épisode là je fais le même compteur que dans le premier épisode avec les morts. D'ailleurs, il paraît que j'en ai oublié une mort. À toi. Ah, tu vas aller faire les morts? C'est marrant ça. Je sais pas, on verra. Parce que c'était assez long à faire. Dans le premier épisode, j'ai un peu galéré à faire le truc des morts. Avec mon son de micro-ondes en plus. Tu vas avoir vraiment du mal, c'est dès qu'on va faire les boss. Bah, le truc c'est qu'il faudrait noter en fait pendant qu'on tourne. Tu pouvais continuer à gauche, hein, y avait encore de la mine là-bas. Ouais, j'ai vu, je venais vous voir. Moi je minais juste de la clé en fait. Hein. Ah, attends, y'a du fer. Attends, tu comptes vraiment faire des maisons en clé? Bah non, mais au moins les toits, c'est pour ça que je mine de la clé. Hop. Vas-y, je prends le bas. Ok. Cool, ça va plus vite. Hop là, minage intensif. Hop, une petite torche. Je vous rejoins les gars, je suis en train de miner de la clé. J'en ai plus qu'une moi. Bah intense. Ah, les combats au début c'est tellement épique. Ah, par là ça a l'air d'être assez grand. Là. Attends, hop. Oula, chauve-souris, j'aime pas les chauves-souris. Attends. Ah. Attends. Oula, ça a l'air épique de votre côté. Ah bah c'est bien sympathique tout ça. Attends. Une idée. Quelqu'un aurait des torches? J'en ai quelques-unes. Mais pas des masses. Ah, au-dessus c'est là où on est. C'est quoi ça? Regarde. Du sable. Bah ça tombe bien parce qu'il nous faut des vitres donc Ouais. Donc si on fait notre stock de sable. Oh, y'a un mineur au chapeau brillant en bas. Ça donne pas des chapeaux brillants justement? Je crois. Il est en bas à gauche. Y'en a un qui dit mais je suis le seul à le voir dans le premier épisode. Mais non, je l'avais vu, mais c'est juste que comme on parlait d'autre chose. Je fais les réponses aux commentaires en même temps. Ah, chauve-souris, elle me fait prendre cher. Et comment il fait Freddy pour pas crever à chaque fois qu'il fait des sauts comme ça lui? Est-ce que je suis Freddy? Comment on va se faire ça? On va se faire ça comme ça. Oh, moi j'en pense une autre. Le champ de copper que je viens de trouver. Tiens, je te laisse descendre avec ça. Oh, vas-y, c'est ton pote. Ah, très mauvaise idée ce que je viens de faire. J'ai pas de lumière d'ailleurs. Ah, t'as pas de lumière, attends. Hop, j'ai mis ça. Est-ce que j'ai des champignons? Je t'en donne 20. 20? Hop. Merde. Voilà. Ah, ouais. C'est vrai qu'il y a un cooldown même quand on mange des champignons. Mais oui, tu vois, maintenant quand tu manges un champignon, même chez toi, tu faut attendre une minute. Putain, quand tu te fais une salade de champignons. Ramfoul, fais gaffe, y'a un slime qui arrive. Des champignons à la grecque. Ouais. À la fin, t'en peux plus. C'est ça. Ouais. Tu fais des champignons à la grecque, t'en as pour 8 heures avant à tous les manger. Et des saphirs ou des diamants, je sais pas trop quoi, c'est quoi le bleu? Saphir, le bleu. C'est bleu? Y'a du saphir alors. Ce rêve bleu. Tu vas dire c'est merveilleux. Tu vois là le truc de copper? Tu vois le gros trou que ça fait là? Et bah y'avait que du copper là. Bah c'est très bien, on va pouvoir se faire du. Y'a un truc qui m'a défoncé. Ah y'avait un bloc de sable. Moi j'ai plus de 100 copper hein, pour info. Moi j'en ai
58. Ça part bien, ça part bien. J'aime. Oui, j'ai utilisé mon marteau. Hein, c'est, je sais 54. Et on a commencé. Ah, ça fait déjà 24 minutes. Bah, on va peut-être arrêter là dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. On se rejoint dans le petit trou où je suis ou on rejoint Alexa ou. Attends, j'y arrive pas. Où est Alexa? J'arrive, j'arrive. Juste là et vas-y, suis-moi. Bah voilà, on peut dire au revoir ici. Puis on remplit tout de suite, hein, parce que de toute façon, on est dans une grotte, on est bien parti, tout ça, quoi. Ouais. Donc alors, on vous remercie d'avoir regardé ce deuxième premier épisode de la saison 3. Ouais, c'est l'épisode 1 bis. C'est ça, c'est l'épisode 1 bis. Je sais pas si on peut faire ça sur Gear Network, mais on se débrouillera. Bah, on vous remercie d'avoir regardé. Mettez des petits commentaires, dites votre avis, machin, tout ça. Flamez-moi dans les commentaires pour mon gros fail. mettez des petits pouces verts, des petits engrenages. Enfin voilà, tout ça quoi. Et on aura fait un épisode sans mourir. On vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous. Salut. Salut.